Allô, le jarl, est-ce que je vais être en fin de dépermise? Oui, que voulez-vous? À moins que je suis Revenez me le. À voir à moins que je l'hôtel, sois vous déjà. serez Bon, prévenu. enfin, en gros, voilà, on a terminé la quête d'un des draps pour amis. Et maintenant, on va continuer sur les obscurcines. Je sais pas s'il y a une boutique par là. Sainte Lune vers Elsewhere, non, Moselle du Crépuscule, je vais encore regarder. Attends, je suis à combien? On va regarder ça au niveau des perks de crochetage. Enchantement, je suis à 100. Ça, franchement, ça pète sa mère. Nouveaux enchantements, 60%. Je vais m'en servir, ça, mais je mettrai en légendaire une fois que je serai vraiment stuffé à fond. Furtivité 63. J'ai un petit peu de mal à me mettre en fufu quand même. Hein. Parce que je suis plus basé sur le l'armure légère et les une main. Donc, ouais, enfin bon, ça, Osef, on verra bien. Hop. Vous voulez quelque chose? Ouais, que tu fermes ta gueule. Alors. Un colleté chardon. Où est-ce qu'il est ce machin? Je croyais qu'il était au-dessus d'un coffre. Bon, plus TP. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, allez, vas-y, on se casse comme ça. Hop, voilà, à l'ancienne, t'as vu. Allez, on retourne à Blancherive. Voilà. Feu de Blancherive. En fait, j'ai lancé la vidéo trop tôt et puis je ressens le besoin d'aller manger. Enfin, on mangera quand ce sera level 48. Ouais, c'est décidé. Putain, ça va vite. Enfin, ça va vite. Level 47, faut y aller. Et puis je galère encore, hein, même aujourd'hui. Hein. Enfin, que j'améliore mon stuff là. Hein. Enfin, je pense, hein, je suppose. Je me ferais bien des steaks ou du poisson, tiens, avec des pâtes. Ouais. Oh, et puis des œufs au plat aussi. Là, des œufs au plat, 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 avec un steak. Bien rouge. Un grenade à la mûre. Alors, il nous reste plus que deux obscurcines à acheter, et puis c'est réglé, on a fini la quête. Bon, on va voir déjà si on. Oh putain. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah, Tiens, prends. Achouka? Lime des cimes violettes, tu l'as volé à la voisine, à vous. Hein. Merci beaucoup, ma fillotte. Obscurcine, il y en a peut-être par là, tiens. Dans mon jardin. Dans mon jardin personnel. Ah ouais, il y en a, de l'obscurcine. Hop! Dire que j'y prends de mon endroit personnel pour une quête à la mort le nœud. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Oh! Attends. Oh oui! Je peux sauter. Non. Ok. Bon, Lydia, suis-moi, ma chienne. Nous servons d'un petit peu de flotte. Je vais pas l'activer. Oh merde. Pouh! Chérie, je suis rentré! Quand ça se fait qu'il n'y a pas son. Son échoppe là, j'avais installé un mode pour qu'elle puisse aller bosser celle-là. Peut-être que ça se trouve son échoppe elle est super loin en fait. Ouais, elle vit à Blanche-Crive et tous les jours elle va à Faillesse pour aller bosser. Ouais, c'est normal, hein, c'est normal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Tiens, tilalaloum. Voyons voir. Dague de verre, lingot malachite. Malachite. Bah alors, ce qu'on va faire, on va faire ça. Où est-ce qu'il y aurait un endroit vide? Allez, on va y foutre là-dedans, tu sais quoi? Voilà, alors. Sans destruction, ok. J'ai posé tout ça. Allez, j'ai posé tout ça. Hop. Voilà, donc déjà on est à poil. Oh là, oh là, oh là, on a dû voir une partie de ce boob. alors, voilà, je prends armure de mer. Ouais, je prends. Potion créée, non. Armure, ok. Hop, ok. 20%, non. 21%, ok, ça c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Ah, le chimie gagne 20% d'efficacité. Ok.
Ok, bon allez, on va vite se... on s'habille vite fait. Hop, hop. Hop, d'accord, hop. Et hop. D'accord, on n'a pas de bottines qui nous permettraient de... Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut améliorer cette fois? Bon, bah, on est pieds nus, mais c'est pas grave. On a une armure des deux mers, quoi, on se la pète. Alors. Non. Armure de l'eau, donc lingot de mer, lingot de fer, ok. Alors, attends. Parce que c'est un peu con ce que je fais, je vais tout récupérer là. Voilà. Non, pas ça. Hop. Alors, invisibilité, altération, armure lourde, crochetage, force, furtivité, persuasion, scuba gadget. Qui c'est qui voulait de la scuba? Non, personne. donc, ah oui, on va prendre un, deux, peut-être deux de chaque, tiens, ouais, deux de chaque. Hop. Oh, ça c'est ça, par contre, ça c'est chiant. Ça, il n'y a pas un endroit où on peut marquer juste un chiffre plutôt que de se casser les burnes à sélectionner un par un. Hop, bon, il n'y aura pas besoin de tout ça, mais bon. Ah, puis merde, voilà, hop, bah la shit, ça on en a besoin. Hop, 48 d'or, on en prend que 3. Hop. Ah, de toute façon, après, ce sera le tri. Après, ça va être vite fait. Hein. C'est déjà pré-trié dans. C'est déjà pré-trié dans les coffres, hein, donc après ça va être vite fait, ça va être rapide, tant mieux. Hop, vif argent, bon, peut-être pas utile, mais des fois s'il y a quelque chose à améliorer, hein, on le fait. Voilà, voilà, morceau des bonites, oh, it's the dragon. Ah mais du coup, ouais, je suis con. Mon truc trop stylé, mon masque trop stylé, il n'existe plus du coup. Oh. Hop, arc de verre supérieur. Yeah, bitch, yeah. Voilà. Oui, tu me regardes, Lydia, je sais que tu m'aimes, mais bon. Armure dorée de destruction accrue. Wouh! Ah, ouais, quand même. Ouais, armure légère en plus. Botte elfique. Et des bonus. Yeah, bitch. C'est bon. Nickel. On va aller chercher du sel du néant. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. En fait, ça pointe ici en disant, tiens, on va chercher, il y a un bouquin à lire là-dedans. Sel du néant. On va vite aller chercher pour voir. Hop. Ouh, j'en ai plus beaucoup. Faudrait que je refasse des provisions. Est-ce que je peux me permettre d'améliorer? Non. D'accord. Donc, oh, c'est là. Vigueur. Allez, vigueur. Alors, c'était par là, c'était par là. Voilà. J'ai pas besoin d'augmenter plus que ça en fait. Voilà. Bon, ouais, ouais. Nous sommes d'accord. Les armes à une main. Ouais, bon, bah ça c'est défoncé. Ça c'est bon. Ok. Ça puissance son déplacement. Toute la puissante structure. Ok. Donc, ensuite, armure légère peut-être. Je suis à 74. Ok. Ok, voilà. Ok. Bon, pas ça non plus. Peut-être furtivité, tiens. Chimie. Attends. Enchantement. Ouais. Il y a pas mal d'enchantements ces temps-ci, donc voilà. Bah voilà, c'est fait. Hop. Bon, on va se débarrasser de ça. Mais en fait, je voulais juste faire ça en gros, voilà. Sans destruction, hop, ça j'y pose. En fait, les trucs qui peuvent me permettre de pouvoir améliorer certaines choses, je pose au même endroit. Hop, hop, ça j'y garde. Ça j'y laisse dedans, ça c'est peu, voilà. Ça j'y pose. 35% et. Waouh! Ah ouais, je peux faire des dégâts de ouf hein, quand même. Hop, voilà, allez, on se prépare. Prepare, blood fight. Capuchon en signol. Armure lourde, c'est vrai que c'est un peu con quand même. Donc ça, j'y poserai en fait. Voilà. Est-ce qu'on est full? Yeah, bitch, yeah.
Et bah tout le reste, on va y poser là. T'inquiète, Lydia, je vais m'occuper de toi personnellement après. Non. C'est pas un collier, c'est... Ah, c'est... c'est... Maniement extrême. Voilà. Ouh, je me suis bien rattrapé là. Bah, je m'en servirai plus pour l'instant. Ça non pas. Ça non pas. Hop. Est-ce que j'ai des armes à poser à l'intérieur là? Ça me semble 15 points de magie. J'y pose tous les brillants. Hein. Arc de verre parfait. C'est pas elle que je lui ai piqué ça? Encore là. Faut que j'ai changé d'arme avec vous. Alors deux secondes, je regarde. Ouais, ok, bah t'avais bien plus d'arc. Et bah je te le donne, petit cadeau. Écoute bien ce que... Attends, non. Passez devant. Ouais, deux secondes. Je regarde un truc là. Des flèches d'entraînement. Je cherche. Ah bon? Tu te fous de ma gueule. Flèches d'entraînement, y'en a plus? Et là? Flèche d'entraînement, voilà. Mince. Encore là. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Exerçons ton potentiel magique. Tiens. Votre compagnon a gagné 11 points de magie. Son potentiel magique s'élève maintenant à 61. Yeah, tu sais lire. Yeah. Bah arrête de lire je maintenant. Je suis sur vos talons. Attends, voilà. Prends ces flèches et entraîne-toi au tir à l'arc. Votre niveau est insuffisant, bon, on va te faire enculer. C'était bien quand tu lisais, c'était cool. Hop, on va poser ce gant qu'on vient de trouver là. Hop, on va poser le dernier stuff là-bas. Hop. Voilà. Pff, on a encore un paquet de trucs là, pousse-toi. Alors... Voilà. Hop. 108. Je suis derrière vous. Non, t'es devant moi. Crochet. Hop. On sauvegarde au cas où. On ne sait jamais. Potion, ça c'est bon. Osef. On va poser tout ce qui nous traîne là, et après on va arrêter vite fait. C'était un épisode un peu spécial, un peu de merde, hein, ouais j'avoue. Hop, les bouquins ici. C'est pour vous montrer comment ma manière de trier en fait. Ok, hop. Voilà. Alors en gros je trie les choses importantes du style des masques, des choses rares... comme les pierres de Barandia, j'y pose tout ici, des choses assez rares. Voilà, l'âme des bonites. Ah, l'âme des bonites. On va regarder ça, tiens, si on peut l'améliorer, ce serait cool. Ouais, donc voilà, les choses importantes et rares. Ici, qu'est-ce que j'avais posé? Bon, ça, Osef. Les clés, bon, bah, parce qu'il y a plein de clés qu'on n'a pas besoin. Ça, ce sont tous les ingrédients qui sont dedans. Ça, toutes les potions. Ça, des gemmes, tous les gemmes, toutes les gemmes, vides ou remplies. Ça, c'est dans les divers, mais les divers quelconques, hein, voilà, des choses comme ça, des choses que j'ai pas triées encore. Quoique, attends, je pourrais trier certaines choses, ouais. Alors, attends. Hop, voilà. Ouais, on va y foutre tout ici, tiens. Hop! Ah, des fragments de gemmes, d'accord, mais j'aurais pas dû les prendre. Je sais pas à quoi servent les fragments de gemmes. Mais ça, c'est tout ce qui concerne les lingots qui se craftent hein, à la forge. Voilà. Waouh! Waouh! J'avais oublié que j'avais ça! Oh la classe! Je peux acheter la maison, je peux récupérer la pierre de Barandia. Là, c'est tout ce qui est protection, défense. Voilà, uniquement. Et ça, c'est uniquement les armes. Voilà. Alors, j'en ai un sacré paquet, je sais. Tu vas me dire pourquoi t'en gardes autant et tout. Non. Je sais pas, en fait.
Arc des bonites. Bah attends, j'ai pas récupéré la dague là. L'âme des bonites. Absorbe l'essence vitale de vos ennemis renforcée par le sang de la fourberie. Et. Attends. Ah, c'est une deux mains en plus. D'accord, donc on peut pas l'améliorer ce merdier. Ok. Bon bah écoute, ça retombe dans le coffre et ce sera cadeau. Attends. On va le foutre quelque part quand même. Oh oh. Bon, y'a un bug. Ok. On va le mettre ailleurs. On va le mettre. Ah non, attends. On va le mettre à un endroit sympa. J'ai envie de leur trancher la gorge. Il y avait plein de tartes et de gâteaux. Elle a promis de m'apprendre à en faire. Mais c'est quoi ce fake? Bah, il va te faire foutre. Hop. Je te pose dans un coin. Voilà, puisque tu l'as voulu. Je suis encore à 112. Voilà. Et voilà. Et on se casse de là. Blast. Et c'est ici que je vais vous quitter. Bon, c'était un petit épisode de merde, mais bon, c'était pour dire que voilà quoi. En dehors des vidéos que je fais, si vous remarquez qu'en fait je gagne des levels, c'est normal, c'est parce qu'en fait je fais beaucoup de craft, beaucoup d'enchantements et beaucoup de potions. Donc c'est pour ça que je suis assez full dans les coffres. Donc je vais juste vous faire un tout petit épisode à part, histoire de vous montrer ce que je fais la plupart du temps. Voilà, donc si ça plante, ça tombera bien parce que c'est la fin de la vidéo. Le mec attend que ça, tu sais. Crash! Ah bon bah désolé les gars, ça fait 5 minutes qu'on joue, mais je dois vous quitter. Ciao, allez, à plus! Salut! Stylé, mais moi je suis pas fanat des armures lourdes. Hein. Moi, je suis pas guerrier, je suis pas bourrin. Je suis furtif, moi je suis en mode salope. Je suis en mode salope. Oh yeah! Ah, toi, on va. On a rien du tout. Est-ce qu'on peut poser du stuff vite fait? Ah bah attends, faut que je sélectionne ça aussi, sinon ça marchera pas. Wow! Ah bah attends, je vais le vendre ce truc. Voilà. Je vais le vendre. Je crois que je vais vendre une pété de truc, mais je le ferai hors vidéo, bien sûr. Voilà, ça fera un petit peu de thunes. Et c'est sur cette magnifique vue que je vous dis à la prochaine. Voilà. Yeah, que va-t-il se passer entre les deux? Vous saurez au prochain épisode, mais à mon avis... Ce que vous voyez là, c'est pas seulement un katana, hein. Ça peut être aussi le gourdin. Vous aider, entre nordiques. Qu'est-ce qu'il regarde lui? Allez, à plus en l'âme.